Des gestes fluides pour certains, ralentis pour d'autres. Dans les étroites lignes d'eau de la piscine de Belle-Île, les nageurs commencent à peiner. Déjà 20 heures qu'ils se relaient toutes les 30 minutes pour relever le défi du bol d'eau 2015, 24 heures de nage en continu. Mais aujourd'hui, les derniers relais sont douloureux. Sur cette demi-heure-là, j'ai fait 1700 mètres. Donc 1700 mètres, ça fait du 3,4 km à l'heure à peu près. C'est un bon rythme, mais il faut le tenir, quoi. C'est ça. Il ne faut pas partir trop vite parce qu'après, on est vite grillé. D'ailleurs, je l'ai vu à écart, j'étais déjà bien fatigué. Et le dernier quart d'heure, je pense que j'ai beaucoup pioché plus que nagé. Au bord du bassin ou dans l'eau, certains attendent leur tour avec un peu d'appréhension. J'ai nagé cette nuit à 1h du matin et ça ne s'est pas très bien passé. J'étais un petit peu déstabilisée par le bassin que je ne connais pas. À la table de Marc, c'est aussi le marathon, des petites croix. Chaque aller-retour des nageurs est noté, car en plus de l'endurance, c'est la distance qui est récompensée à la fin. Pas question donc de s'endormir entre deux longueurs. Lydia a la recette pour tenir. Un bon stylo, de la patience et puis de l'encouragement pour les nageurs. Et un bon café. C'est ça, il y en a besoin pour tenir le coup. C'est bien. Et pour ceux qui ne tiennent pas le coup, il y a une solution. Se laisser porter par le sommeil, pendant que les autres nageurs assurent. Car le bol d'eau, c'est surtout un travail d'équipe, convivial, mais éprouvant. On part toujours en se disant, je vais pas me faire mal, je plonge et je me fais pas mal parce que j'ai plusieurs demi-heures à faire. Finalement, quand on est dans l'eau, on se dit, oh, ça serait bien quand même que j'essaie de faire le plus de distance possible. Donc en fait, l'envie vient en mangeant, quoi. Et finalement, à la fin, on a toujours un petit peu mal. Hein. Né dans les années 80, le bol d'eau a longtemps attiré des nageurs de clubs de la région. Aujourd'hui, il s'ouvre au grand public, amateur de longueur.